Avec Yael Gauss ce matin, nous recevons le directeur de l'IEP de Lille, professeur de sciences politiques. Son rapport l'an dernier a largement inspiré la réforme du bac de Jean-Michel Blanquer. Vos questions, chers auditeurs, dans quelques instants au 01 45 24 7000 ou sur l'application mobile de France Inter. Pierre Mathiot, bonjour. Bonjour. Merci d'être au micro d'Inter ce matin. Le déconfinement à l'école en ordre plus que dispersé, la rentrée en maternelle et en primaire possible le 12 mai. Pour les collèges, c'est le 18 mai, mais attention seulement pour les 6e et les 5e et seulement dans les départements en vert sur la carte du Covid. Pour le lycée, rien avant le 4 juin minimum. Le ministre Jean-Michel Blanquer n'exclut pas que les lycéens et que certains collégiens ne revoient pas les bancs de l'école avant le mois de septembre. Alors Pierre Mathiot, face à la complexité de cette rentrée, face aussi aux doutes sur le respect des conditions sanitaire, une bonne moitié des Français désapprouvent le retour à l'école, sondage OpinionWay, même défiance du côté des élus. On a entendu Martine Aubry qui était à votre place à 7h50 tout à l'heure et ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux partout en France à reporter la rentrée pour septembre. Est-ce que vous comprenez cette réticence? Fallait-il à tout prix rouvrir les écoles? Moi je pense qu'il reste 9 semaines avant la fin normale de l'année scolaire le 4 juillet, et il me semble complètement normal d'envisager un retour des enfants et des adolescents à l'école, pour plein de raisons qui ne sont pas simplement des raisons scolaires pures, de rattrapage des programmes, etc., mais aussi pour des raisons psychologiques. Je pense que les élèves et les parents et les professeurs ont besoin de ce retour à l'école. Ça, c'est la première chose. Après, il va de soi qu'à partir du moment où le ministre et ses équipes ont commencé à réfléchir très, très sérieusement et très, très concrètement à la manière de le faire, une série très importante et de plus en plus importante de problèmes est apparue, qui d'ailleurs a déjà conduit à ce qu'il y ait une évolution par rapport aux annonces du président de la République le 14 avril. Donc je pense que le président de la République le 14 avril avait annoncé qu'on reverrait les enfants à l'école en septembre, je pense qu'il y aurait eu des cris d'orfraie partout en France qui auraient dénoncé l'absence de courage ou de volonté politique du gouvernement. Donc je pense que ça a du sens. Et d'ailleurs, tous les pays concernés par le Covid envisagent un retour des élèves à l'école, mais évidemment, selon des formes très, très diverses, très, très adaptées à la situation sanitaire. Donc il va de soi que tous les enfants ne retourneront pas à l'école et que ceux qui y retourneront dans des conditions tout à fait exceptionnelles et sans doute pas pour faire le programme, mais pour faire autre chose, peut-être que rattraper le retard pris dans les semaines qui viennent de se passer. Pierre Mathiot, ce retour en classe, on le rappelle, il est sur la base du volontariat. Est-ce que là, il n'y a pas une erreur politique du gouvernement? On entend à gauche, on entend à droite les critiques, c'est pas républicain, c'est pas forcément égalitaire, certains reprendront d'autres à des rythmes différents selon les territoires. Est-ce que ce volontariat, vous le comprenez, vous, Pierre Mathiot? Au départ, l'annonce du président de la République, c'était que tout le monde devait retourner à l'école. Le volontarisme ou le volontariat parental et des jeunes est apparu un tout petit peu plus tard après les annonces du président de la République. Pourquoi? Parce que si les conditions, on ne peut pas forcer des jeunes à retourner dans leur établissement scolaire, si les conditions sanitaires ne sont pas réunies à minima. Donc je pense que c'est un peu normal, mais en même temps, évidemment, c'est compliqué. Il y a une espèce d'injonction contradictoire que de dire d'un côté, il faut retourner à l'école, parce que ça a du sens de retourner à l'école, et puis d'un autre côté, dire vous ne pouvez retourner que si vous êtes volontaire pour y aller, parce que bien évidemment dans ce cas-là, on sait bien que les premiers qui risquent de ne pas y retourner, ce sont les enfants des milieux populaires et c'est pourtant eux qui subissent le plus la situation de confinement, parce que c'est pour eux quand même que la continuité pédagogique est la plus difficile à respecter. Donc évidemment, on est dans ce genre de difficulté, mais on est face à une situation qui est complètement exceptionnelle, sans aucun équivalent dans l'histoire. Je pense que le gouvernement essaie de s'adapter presque au jour le jour à ce qui se passe et même à des informations qu'il ne maîtrise pas encore. On est dans une vraie incertitude cognitive aujourd'hui. Le gouvernement lui-même ne sait pas exactement ce qui se passe, ne sait pas exactement comment ça se passera le 11 mai. Il y a depuis quelques jours, vous en parlez beaucoup sur France Inter, l'apparition de ce syndrome de Kawasaki par exemple, qui laisse planer des doutes par rapport au retour à l'école des enfants. Donc on est vraiment dans un temps d'incertitude avec, majeure. Pour l'instant, rien de confirmé, pas de lien avec le Covid sur cette maladie qui touche effectivement les plus jeunes enfants. On reste assez prudent. Et pas de décès enregistré. Pierre Mathiot, vous parliez justement de cet argument, de dire que c'est pour garantir la réussite éducative des élèves pour les plus vulnérables, qui ne tient pas vraiment. On sait bien que ce ne sont pas eux qui vont revenir en premier. Que fait-on pour les décrocheurs? 4% sur tout le territoire, jusqu'à 40% dans certains établissements. Comment va-t-on les rattraper?
je pense que 40% c'est optimiste dans certains établissements. Malheureusement, je pense que quand vous êtes, bon, j'ai travaillé un petit peu sur l'éducation prioritaire dans un passé récent, je pense que dans les réseaux Ré+, donc dans les collèges Ré+, qui sont à peu près 350 en France, je pense malheureusement que le décrochage il est plus important que 40%, malheureusement, mais on est un peu démunis par rapport à ça. Vous avez des remontées là-dessus, justement, oui, sur le décrochage plus massif que ce qu'on pensait? Disons que j'ai dans mon entourage familial des gens qui travaillent dans des collèges repérés plus. Et au début du confinement, les enfants étaient relativement présents, puis après ils ont un petit peu disparu de plus en plus. Si on prend l'Académie de Lille, le retour en classe virtuelle devait avoir lieu lundi, et pas mal d'élèves ont décroché du fait des deux semaines de vacances. Il ne faut pas se cacher que c'est très très compliqué de continuer à aller en classe virtuelle, a fortiori lorsqu'on n'a pas de d'ordinateur chez soi, qu'on est confiné dans un domicile familial très petit, avec beaucoup de frères et de sœurs. Donc, il va se voir que c'est d'abord les jeunes des milieux populaires qui subissent ce type de situation, comme en règle générale, ce sont les jeunes des milieux populaires qui, de toute façon, subissent les inégalités scolaires. Donc là, le confinement vient simplement rajouter à cela. Et c'est clair que par rapport à ça, on est très largement démunis. Que peut-on faire très concrètement pour leur permettre de continuer à aller en classe? Donc l'objectif politique, il est complètement incontestable. Je pense que le ministre, il est très attentif à cela. Mais très concrètement, quand il s'agit de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour permettre que ces jeunes-là, notamment, puissent bénéficier de la continuité pédagogique physiquement ou à distance, on est face à une difficulté largement insurmontable. Voilà. Alors ce sont les maternelles et les primaires, on l'a compris, qui rouvrent en premier le 12 mai. Pourquoi les petites classes sont-elles prioritaires, Pierre Mathiot ? Écoutez, je ne sais pas. Alors, ce qu'il faut quand même avoir en tête, hein, il faut le rappeler peut-être aux auditeurs, c'est que pour ce qui est des grandes sections de maternelle, et surtout des CP et des CE1, justement dans l'éducation prioritaire, le dédoublement qui a été mis en place par l'actuel gouvernement en 2017, le dédoublement des classes fait qu'on a affaire à des classes qui sont autour de 10 à 12 élèves. C'est aussi le cas dans pas mal d'écoles du monde rural. Oui. Donc, c'est vrai que dans ces classes-là, finalement, les conditions sont déjà réunies pour qu'on puisse accueillir un nombre d'élèves, c'est déjà le cas d'habitude, un nombre d'élèves pas très important, avec le respect des fameuses mesures de distance sociale qui sont annoncées par le gouvernement. Donc peut-être que là, il y a un mètre entre chaque table, 50 mètres carrés de classe. 50, d'après ce qu'on commence à entendre. Mais voilà, donc je pense qu'il y a cette dimension-là, je crois, qui intervient, c'est que ce sont peut-être ceux qui, en termes de topographie des lieux et d'habitude professionnelle des enseignants, sont les plus à même de revenir le plus rapidement possible dans le système. Voilà. Alors il y a plusieurs années charnières dans la scolarité, hein, évidemment, on parlait des CM2, on peut parler des 3e. Les secondes, on pense à nos ados qui attaquent, Pierre Mathiot, l'an prochain, le bac nouvelle formule, celui que vous avez largement inspiré. Faudra-t-il revoir les manuels, ajuster tout au moins le programme à la rentrée de septembre ? Revoir les manuels, là encore, soyons réalistes, on va pas mettre au pilon tous les manuels qui ont été fabriqués par les éditeurs et qui ont été achetés par les régions pour les lycées. Hein. En revanche, il va de soi, mais pas que en seconde, il va de soi que l'ensemble des débuts d'année prochaine, y compris d'ailleurs dans l'enseignement supérieur, parce que nous, dans l'enseignement supérieur, nous allons, passez-moi l'expression, récupérer les élèves qui sont en terminale cette année. Donc oui, je pense que l'ensemble du système de formation en France va tenir compte de ce qui s'est passé pour que les débuts d'année prochaine soit des débuts d'année consistant à, alors pas à rattraper les programmes de l'année précédente, mais en tout cas à s'adapter, à permettre le retour en classe dans les meilleures conditions possibles. Voilà. À faire des remises à niveau. Ça va de soi. Des remises à niveau, des révisions pour tous. Oui, d'autant plus que, vous l'avez esquissé tout à l'heure, les élèves sont dans une continuité pédagogique qui est extrêmement différente selon l'établissement dans lequel ils sont, selon la famille à laquelle ils appartiennent, etc. Donc il y a une vraie obligation, mais c'est évident, je le dis, mais c'est complètement évident que au moins le mois de septembre prochain, voire le mois d'octobre, sera consacré à des formes de, entre guillemets, rattrapage, à la condition, je ne vais pas faire l'oiseau de mauvais augure, que la rentrée se passe dans des conditions correctes, hein, ce qui évidemment n'est pas aujourd'hui quelque chose de complètement écrit. Allez Pierre Mathiot, on passe des secondes aux élèves de première. Ils sont 500 000 à avoir encore un bac français dans leur viseur, là, puisque la dernière semaine de juin s'est maintenue pour l'instant cet oral pour les élèves de première. Les profs de français sont inquiets, certains étaient loin d'avoir fini le programme. Est-ce que pour vous, maintenir cet oral a encore du sens ? Est-ce que là encore, ce n'est pas une source d'inégalité ? Alors, dans les annonces du ministre de l'Éducation nationale, il y avait effectivement l'idée que le principe que l'oral de français soit maintenu, avec
un nombre de textes à avoir préparés qui soit évidemment inférieur à ce qui était prévu avant le confinement. Donc en fait, ça pose deux problèmes. Ça pose le problème de est-ce que les élèves seront prêts en termes de méthode, en termes de textes étudiés, d'une part, et d'autre part, surtout, je pense, la question de la prévention sanitaire. Hein. Est-ce qu'il est bienvenu que 500 000 jeunes viennent passer un oral physiquement dans des lycées, se déplacent, etc. Donc je pense que au moment où on se parle, à mon avis, la réponse n'existe pas encore. La réponse ferme n'existe pas encore. Tout va dépendre du fait de savoir si les lycées vont réouvrir ou pas. Donc je pense que franchement, on n'a peut-être pas l'habitude d'entendre ce type de discours, mais je pense qu'au moment où on se parle, c'est pas totalement assuré que cet oral de français ait lieu pour des raisons sanitaires, bien entendu, puis aussi parce qu'on ne sait pas encore à 100% si les lycées vont réouvrir, dans quelles conditions ils vont réouvrir. Et puis la terminale, le bac, là il n'y a pas d'oral, il n'y a pas d'écrit, c'est le contrôle continu qui compte. Est-ce que là aussi c'est juste, pardon je me permets une comparaison, mais pour la Ligue 1 de foot, on a vu qu'on prenait le classement tel qu'il était, figé maintenant, alors qu'un élève aurait pu se révéler sur le dernier trimestre. Est-ce que c'est juste ? Vous qui êtes la pierre angulaire de votre réforme, Pierre Mathieu, c'est quand même le contrôle continu. Oui, dans le championnat de foot, si vous êtes dixième à cinq matchs de la fin et que vous réveillez, vous finissez septième. C'était fichu de toute façon. Vous gagnez pas le championnat. Donc bon, non, mais écoutez, là encore, ça a été des mesures de pragmatisme et de réalisme de la part du ministre. C'est-à-dire que là encore, si à l'époque il avait dit que le bac était maintenu, vous imaginez les cris, les hurlements en France. Donc je pense qu'il a pris la moins mauvaise décision au vu du contexte. Je crois qu'il avait raison vu ce qui continue à se passer avec cette épidémie. Évidemment, ça a pour conséquence qu'on fige, entre guillemets, les résultats obtenus au 15 mars, au moment où le confinement a commencé. Première conséquence. Deuxième conséquence, évidemment, Hélène Roussel vient de le dire, c'est que ça va faire que ce bac va être obtenu en dehors des épreuves de français que les élèves ont passées l'année dernière. Le bac va être obtenu sur la base de notes qu'ils ont accumulées en contrôle continu, ce qui effectivement est une forme de cousinage un peu lointain avec la réforme dont je me suis un petit peu occupé. Alors, Pierre Mathieu, on va poursuivre avec le lycée. Vous restez avec nous. Nous rejoignons tout de suite un proviseur, Alain Procard. Bonjour Alain. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Inter. Vous êtes le proviseur du lycée Marie Curie à Nogent-sur-Oise, département touché en premier par le Covid. D'ailleurs, vous êtes fermé, vous, depuis le 2 mars. Est-ce que, d'abord, vous vous inquiétez pour vos élèves, pour le bac dont on vient de parler, pour la continuité pédagogique ? Alors, pour répondre à ces questions, je ne m'inquiète pas trop sur la continuité pédagogique, parce qu'effectivement, étant fermé depuis le 2 mars, les enseignants se sont très vite penchés sur les outils, à la fois institutionnels, mais aussi outils tout à fait personnels, donc de travail à distance avec les élèves. On a même vu quelquefois des élèves être force de proposition dans l'utilisation des outils. Donc, les choses se sont mises en place au fur et à mesure, et ça s'est relativement, je dirais, bien passé. Pour m'occuper plus spécialement du niveau seconde, vous évoquiez avec M. Mathieu le décrochage. Dans l'établissement que je dirige actuellement, il est à peine de 10%. Le décrochage sur l'ensemble des classes de seconde, ça représente quand même presque 500 élèves. Donc ça, c'est une première chose. Je m'inquiète plus sur, et vous l'évoquiez à l'instant, c'est l'accompagnement des élèves et des familles, parce que là, pour le coup, nous jouons de malchance. Cet événement intervient à un moment où on est en pleine réforme. Mais oui. Et que les élèves et les parents repensent un petit peu leur stratégie en matière d'orientation. Et ici, nous avions mis un intérêt tout particulier à l'accompagnement des familles. Oui, que vous avez déjà rencontré deux fois. Mmh. Et les informer. Et là, on est en train de manquer le rendez-vous du troisième trimestre pendant lequel nos crucial, élèves... Crucial, on le comprend, pour l'orientation. Alain Procard, les lycées, on l'a dit, ne vont pas rouvrir tout de suite, mais vous, dans votre lycée, est-ce que vous seriez prêt, est-ce que vous avez anticipé sur les conditions sanitaires ? Oui, bien sûr. Alors j'attends effectivement ce cadre sanitaire qui doit arriver, je pense, demain. Oui, tout à fait. On en connaît les grandes lignes quand même. Voilà. Mais effectivement, nous avons déjà réfléchi et nous avons été voir dans nos salles ce que pouvait donner le respect donc, de la distanciation. Donc ça, on est en capacité d'accueillir des groupes à effectifs réduits. En ce qui me concerne, la taille qui ne pose pas de problème et au-delà de laquelle là je peux en avoir, c'est 12. Avec 12 élèves dans la classe, on a réfléchi au niveau qu'on accueillerait prioritairement. Et effectivement, et M. Mathieu l'a indiqué,
Le plus important, c'est de donner du sens au retour. Et chaque niveau, seconde, première, terminale, peut trouver du sens au retour dans l'établissement scolaire. Mais vous aurez bien un mètre entre chaque table, le protocole avec, évidemment, le panier repas dans la salle de classe, etc. Vous avez tout ça dans votre, dans votre lycée. Je pense que nous allons donner, que l'institution va donner pas mal de souplesse. Et je pense qu'il va nous être, on va nous donner l'occasion de décliner des mesures nationales, mais sur un plan local. En ce qui me concerne, les repas n'auront pas lieu dans la même salle, parce que je ne voudrais pas non plus que mes jeunes passent toute une matinée dans le même endroit. On a réfléchi aussi aux salles paires. Pendant que les élèves sont dans les salles paires, on nettoie les salles impaires. Un élève ne viendrait que pour la journée. Oui, vous avez tout prévu. Voilà. Et idem pour la cantine, je travaille avec mon chef de cuisine, qui est lui-même avec la collectivité territoriale, pour envisager les différents scénarios. Alain Procard, il y a beaucoup d'appels au standard. On va passer à la parole aux auditeurs, mais proviseur du lycée Marie Curie à Nogent-sur-Oise, merci pour ce témoignage. On entend que finalement on peut aussi se préparer, mais on entend que c'est aussi un casse-tête, une réaction peut-être à ce que vient de nous dire Alain Procard, Pierre Mathieu. Écoutez, vous savez, je vous l'avais dit tout à l'heure, moi je dirige une grande école et à la rentrée prochaine, on va, là pour l'instant les élèves ne sont plus là, mais à la rentrée prochaine, on va sans doute devoir appliquer des mesures de distanciation sociale aussi dans l'enseignement supérieur. Donc les remarques qui viennent d'être faites, on les partage aussi. Vous avez bien entendu quand même que Monsieur le Proviseur fait preuve de beaucoup d'esprit d'innovation. On est quand même dans un moment qui est évidemment très dur à vivre et très critique dans tous les sens du terme, mais aussi bien sur la continuité pédagogique que sur ce qui est en train de se passer pour préparer la réouverture. On a la preuve quand même qu'on a une forme de capacité à innover, à inventer. Donc je trouve ça plutôt positif, même si évidemment, on aurait préféré faire autrement. Pierre Mathieu, beaucoup de questions. Donc je le disais, au standard d'Inter, on va ouvrir le débat, le dialogue avec les auditeurs. Et on commence avec Bruno. Bonjour Bruno, vous nous appelez de Marseille, je crois. Oui, bonjour. Bienvenue. Bonjour, oui. On vous écoute, je crois que vous avez une proposition. Oui, c'est une proposition, un avis, et je voudrais savoir pourquoi ça n'a pas été considéré comme une proposition en haut lieu. Donc d'abord, pour préciser, je suis enseignant dans le supérieur et je suis parent d'enfants scolarisés, donc qui sont concernés. Vous avez la double casquette. Voilà, au même titre que moi, qui sont concernés par ce qu'on appelle la continuité pédagogique, qui n'en est pas du tout une d'ailleurs. Donc je vais parler sur le plan strictement pédagogique. Donc en fait, sur ce plan strictement pédagogique, en fait, à mon avis, la seule solution réellement valable, ça aurait été de faire redoubler tout le monde. C'est-à-dire de faire redoubler tous les élèves, lycéens, étudiants, collégiens, primaires, tous les élèves. Université. Une raison très simple, c'est qu'il y a un trimestre qui est complètement tronqué. Donc ça fait un tiers de l'année et plus de la moitié d'un semestre au niveau de l'université. Et en plus, la rentrée 2020 risque fortement d'être tronquée si j'en crois ce qu'on écoute à ce moment. On ne peut pas prévoir, mais c'est fortement possible que la rentrée prochaine soit tronquée. Donc année blanche et on recommence l'année à zéro. Voilà. Et en fait, sur le plan strictement pédagogique, c'était la seule façon de garantir l'équité pour les étudiants et en même temps la qualité des formations. Bruno, merci pour cette question. Vous n'êtes pas le seul à la poser. Beaucoup de questions à ce sujet sur l'application France Inter. Pierre Mathieu, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait tout simplement une année blanche pour les élèves? On repart et on recommence. À votre avis. Écoutez, je sais pas. En termes de Bruno est candidat à être un ministre extrêmement impopulaire. Je pense que d'abord l'année n'a pas été nécessairement tronquée partout, y compris dans l'enseignement supérieur. Ça a tourné dans pas mal d'endroits. Il faut pas non plus exagérer. Non, je crois que je pense pas que ça ait été envisagé cette solution. Je vous cache pas, dans les réunions auxquelles j'ai pu participer, ça n'a jamais été envisagé. Je pense qu'on juge préférable de permettre aux gens de passer l'année supérieure avec cette forme de rattrapage ou de remise à niveau qu'on évoquait tout à l'heure. Faut pas oublier que si tout le monde redoublait, il faudrait aussi intégrer quand même 500 000 ou 700 000 gamins qui arriveraient dans l'enseignement primaire néanmoins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on aurait un effet de renforcement des effectifs à l'entrée sans qu'il y ait d'effectifs à la sortie. Il y aurait embouteillage, donc les problèmes de place dans les établissements, ils existeraient encore plus qu'aujourd'hui. En même temps, la question filigrane qu'on se pose et finalement qu'on se pose tous, c'est ce côté génération qui va repartir en septembre ou un peu plus tard peut-être avec un niveau en baisse. Et pas avec les mêmes niveau pour tout le monde, puisque la continuité ne se fait pas de la même manière partout.
Oui, d'où effectivement, comme ça ne s'est pas passé, ça ne se passe pas de la même manière partout. Il va de soi que le début d'année prochaine doit être, comme je l'ai dit tout à l'heure, utilisé pour des formes de remise à niveau. Pour la question, je rappelle quand même que le système éducatif, en tout cas du primaire, il est organisé en cycles, et que donc l'idée, c'est qu'au bout d'un cycle, les élèves aient acquis des compétences, et ces cycles durent plusieurs années. Donc je pense qu'il y a aussi la possibilité là de lisser les choses et de permettre que les choses soient acquises. Après, on est face à une situation totalement exceptionnelle, et je ne suis pas du tout sûr que dans l'opinion publique, qui en plus est assez versatile, il y ait un accord pour que tout le monde redouble. On est tous un peu schizophrènes en tant que parents. On peut se dire j'ai envie que mon enfant réussisse, est-ce que j'ai envie que mon enfant refasse son année pour réussir? J'en suis pas totalement convaincu. En tout cas, cette hypothèse-là n'a pas été examinée. Mais vous, Pierre Mathieu, si vous deviez donner un conseil, on remet son enfant à l'école le 12 mai ou le 18 mai en fonction de l'ouverture, il faut, quoi qu'il arrive? Alors, soyons clairs, j'ai la chance de ne plus avoir d'enfants dans l'enseignement à l'école, donc tout va bien. Donc j'ai une forme de... Écoutez, moi je comprends, je suis dans un environnement personnel, familial, etc., avec beaucoup d'enseignants dans mon environnement, donc je sais bien de quoi il s'agit. Moi je pense que, si vous voulez, le risque zéro n'existe pas. Donc si le discours implicite, ou votre question implicite est à partir de quand les enfants pourront-ils retourner à l'école avec le risque zéro? Zéro absolu, vu ce qu'on dit de l'épidémie, ça voudra dire le jour où on aura un vaccin. Donc si on veut le risque zéro absolu, il faut attendre qu'on ait un vaccin. Donc pendant un an et demi, il faut garder les enfants à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un peu provocateur en disant cela. Donc évidemment, il faut organiser les choses. J'ai pas entendu que monsieur le proviseur qui s'exprimait tout à l'heure était très inquiet. C'est vrai aussi qu'il a affaire à des adolescents, pas à des enfants en bas âge, qui ont beaucoup plus de mal à respecter les gestes barrières. Voilà, la question, c'est de trouver un équilibre acceptable entre un petit niveau de risque et puis la nécessité quand même que les enfants retournent à l'école. Mais j'insiste à pas simplement pour refaire les programmes, reprendre les programmes, etc., se remettre à niveau, mais aussi pour retrouver leurs amis, leurs copains. Les gamins qui sont en CM2, en 3e ou en terminale, c'est leur dernière année dans l'établissement dans lequel ils sont aujourd'hui. Ça serait, je pense, pas très bien en termes de résilience pour ces jeunes-là que leur dernière année dans leur établissement se soit terminée le 13 mars. Oui, il peut y avoir des risques. Ils retournent un peu. Il peut y avoir des risques psychologiques. Mais je pense qu'il peut y avoir des risques psychologiques à y retourner en ayant un peu peur, c'est tout à fait évident, mais dans ce cas-là, ils n'y retourneront pas, puisque ce n'est pas obligatoire. Mais je pense aussi qu'il peut y avoir des risques psychologiques à ne pas y retourner, et à devoir quitter son établissement sans jamais y être retourné. Voilà. On retourne au standard, on retrouve Mathieu. Bonjour Mathieu, bienvenue. Bonjour. On écoute votre question. Bonjour, donc moi je voulais vous partager mon questionnement et mon inquiétude concernant le choix des élèves et des enfants qui seront accueillis à l'école. Et notamment, l'école est là pour aider aux apprentissages. Et donc, est-ce que ce sont les élèves en difficulté qui vont être choisis pour retourner à l'école en priorité? Ou est-ce que les parents qui auront besoin d'une garderie et qui auront besoin d'aller travailler vont faire remettre leurs enfants à l'école au détriment de ceux qui en ont vraiment besoin? Merci Mathieu pour cette question. Je ne sais pas si Pierre Mathieu, vous pouvez nous répondre, mais vous avez sans doute un avis. Ce que je vais vous dire, c'est simplement des retours d'expérience ou de témoignages. C'est qu'il semblerait que dans certains endroits, les enseignants du primaire notamment demandent aux parents des enfants qui ont plein de difficultés s'ils le peuvent, de garder leur enfant. Pour justement, comme vient de dire monsieur, permettre à ceux qui ont plutôt des difficultés de revenir. Mais en même temps, des parents qui doivent recommencer à travailler et qui ont des enfants qui n'ont aucune difficulté vont choisir de remettre leur enfant à l'école. Vous voyez, on peut pas. Pour le coup, on ne peut pas avoir une doctrine nationale qui s'appliquerait partout de la même manière, parce que les situations sont extrêmement différentes selon les lieux, selon même la topographie des lieux, selon la région en France, puisqu'il y a les fameuses régions rouges, les régions vertes. Donc il ne faut pas penser que les plus de 60 000 établissements scolaires en France vont tous se remettre au travail ou tenter de se remettre au travail dans les mêmes conditions. Que répondez-vous à ceux qui soupçonnent le gouvernement d'avoir surtout voulu relancer l'économie, de remettre les parents au travail avant même de mettre vraiment les enfants à l'école, de trouver un système de garderie finalement? On ne peut pas s'empêcher que des personnes pensent cela. Vous savez, en France, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont des spécialistes de la reprise de l'activité, qui sont des spécialistes de l'épidémie depuis leur canapé. Donc, je pense que on ne peut pas l'empêcher que des gens pensent cela. Moi, je crois que ce qui a animé, le ministre, pour prendre ce type de décision, pour l'envisager, c'est l'intérêt des élèves, des enfants, de retourner d'une manière ou d'une autre à l'école pour y faire, pour y travailler, mais pour y faire autre chose. Mais ensuite, il faut savoir que les enfants ont il y a 13 millions de jeunes qui sont scolarisés en France, ils ont des parents. Donc, en fait, l'école, c'est 30 millions de personnes, 35 millions de personnes qui sont concernées. Mais bien évidemment, ça peut permettre à des parents de retourner au travail, sauf que, comme le gouvernement envisage un retour par catégorie d'âge,
souvent les familles ont plusieurs enfants, donc de toute façon, si un des enfants peut retourner à l'école et que l'autre ne peut pas y retourner, les parents ne pourront pas retourner travailler. Donc vous voyez bien qu'il y a, là une petite contradiction. Voilà. Pierre Mathieu, très rapidement, si on compte le calendrier jusqu'aux vacances d'été, avec les rotations de classe par groupe de 10 ou 15, on verra, ça fait peut-être 15 jours à tout casser, 15 jours d'école pour chaque enfant, avec énormément de temps en arrivant à l'école, une heure de préparation, d'accueil, se laver les mains, faire la queue aux toilettes. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle pour 15 jours d'école avant les vacances d'été, avec les ponts, si on accumule tout? Oui, il va de soi qu'en termes d'efficacité pure, si on était des économistes néolibéraux, on pourrait dire que ça ne sert à rien de faire autant d'efforts pour que sur les 9 semaines qui restent, peut-être qu'au mieux les élèves aient 2 semaines de classe. Bon, moi je pense que c'est je pense que ça a du sens de permettre aux enfants d'y retourner, même pour 10 jours, 2 semaines, pris n'est plus à prendre. 10 jours ouvrables. Pardon ? Ce qui est pris n'est plus à prendre. Oui, et aussi, je vais dire quelque chose qui peut paraître étonnant, mais c'est aussi une forme d'accumulation d'expérience dans le système éducatif, de gestion de ce type de crise, qui peuvent survenir à nouveau plus tard. Voilà. Donc je pense qu'on est aussi en train d'acquérir de l'expérience, aussi bien sur l'enseignement à distance que sur les conditions de retour à l'école dans un contexte d'épidémie, de pandémie, et je pense que c'est de l'expérience acquise sur laquelle on pourra s'appuyer demain ou après-demain si d'aventure, malheureusement, ce type de situation réitère. Oui, on va s'arrêter là, Pierre Mathieu. On comprend que l'enjeu, finalement, c'est peut-être septembre. On sent bien aussi que le débat ne fait que commencer. Directeur de l'IEP de Lille, professeur de sciences politiques, merci d'avoir été avec nous ce matin. Au revoir, bonne journée à vous.